Quitte à l'SMR sonde. Attends, rien. On va se mettre bien. Je vais juste passer un petit coup sur le lit. Mais ils sont là en plus. Voilà. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est le réveil. Je me suis fait mon petit bacon. Aujourd'hui, ça va être un peu plus léger parce que j'ai mangé assez lourd hier. Ah, j'espère que vous êtes en forme. Est-ce que vous êtes en forme? GG pour hier, GL à la chef aujourd'hui. Oh bah, j'aimerais bien un peu de chance, ouais. J'aimerais bien jouer. En fait, j'aime bien jouer à Magic, tu vois. Trop bon. Coucou. Nash, t'as pas suivi. Va-t'en. Non, mais on va en parler. On a une petite heure là avant le départ. Mon café est froid. Attendez, je vais chauffer ça. Le café est froid. C'est horrible. Voilà. Ah non, c'est juste la chambre qui a lancé le stream. Exactement. Alors, ouais, je suis au petit déj là. Il y a eu une petite alarme incendie qui a sonné ce matin vers 5h. Pas l'alarme, mais le rappel de l'alarme. J'ai donc découvert mon voisin. Et. Son détecteur de feu a plus de piles, donc ça fait bip, tu sais, toutes les 30 secondes, mais un bip très strident. Donc il peut pas trop dormir. Moi, je lui ai dit, appelle le proprio parce que... Ouah ! Est-ce que j'ai pu me reposer ? Moi, à 22h, on a mangé avec les Français, on s'est fait un petit burger. Ensuite, j'ai fait ma bonne action. Je suis rentré chez moi et je me suis couché. J'ai quand même dormi. Ouais, je dirais 8-9 heures, quoi. Mais très léger le sommeil. Ouais, hier, c'était. Le début de journée était infâme. J'avais un deck vraiment ultime. J'aurais pu écraser mes adversaires. Et. Bah, mulligan, non, rien, toutes les games, quoi. C'était un peu embêtant, le mulligan, dans rien, toutes les games, ça fait mal au moral, quoi. En fait, quand tu sais que t'as le meilleur deck de la table en draft, ou un des meilleurs decks, et que tu te fais ouvrir en deux, c'est jamais drôle. Genre j'avais 7 anti-artefacts, je suis tombé contre le blanc-bleu artefact et j'ai perdu quoi. C'est hallucinant.
Donc, ouais, c'était dur. C'était dur. Ensuite, en standard, première ronde à 1-2, je tombe contre JE, qui joue Phoenix, qui n'est pas un match facile. Ouais, franchement, j'ai réussi à en gagner une. Et les deux autres, c'était chaud, quoi. Attends, je mets le. Vous avez eu mon réveil. Salut Julien PC. Bienvenue, bienvenue. Ouais, ben du coup ça c'était dur. Le réveil qui sonne, c'est le rappel du réveil. Ouais. Alors le draw, c'était un deck Shafour, Nops. Et ben Shafour sur Arena, c'est lent, c'est chiant. Mais en vrai, les mecs, en vrai, Shafour en vrai. Le gars, en plus, ouais, il mettait vraiment beaucoup de temps. Et c'était tiens, tiens, je te draine 2-1. En plus, j'avais un massacre. Donc il faisait je te draine 2-1. Je dis, bah, moi je gagne 1. Nanana. C'était d'une lenteur sans nom, quoi. C'était vraiment chiant. Et en fait, ouais, j'aurais peut-être dû la gagner. La 3, tu vois. Il nous restait 3 minutes à la clock. Je dis, bon, on a 3 minutes, mec, ça sert à rien, tu vois, parce que je me disais, c'est lui qui peut me défoncer plus vite que moi je peux. Puis je réfléchis un peu, je me dis, sur un malentendu, il prend une sortie hyper agressive. Je joue une main saisie Kalitas. Je me suis dit, franchement, je peux la gagner en 3 minutes. Donc, ok, je dis, je shuffle. Et genre, ouais, je mange un. Ouais, je suis désolé. Et genre, 3 minutes après, on était tour 5. J'étais en train de le défoncer. Kalitas Sunboard, il avait rien du tout. Il n'a pas concédé. Mais bon. Et la dernière contre Phoenix, un joueur canadien. Donc aujourd'hui, normalement, avec un bon draft, ça peut le faire, quoi. Bon draft, et puis après, du pionnier comme il faut. Ça va pas être facile. Non, ça va pas être facile. Mais bon. J'ai battu. Je crois que j'ai battu deux champions du monde hier. J'ai battu Paulo Vitor da Modarossa. Et Yuki Ichikawa, je crois. Non, pas Ichikawa. Attends, je sais jamais, je sais jamais. En vrai, vu qu'on n'a pas les pairings papier, j'ai du mal, quoi. Ça commence à quelle heure? Ça va commencer dans 1 h 30 à peu près. On a tout suivi hier, on continue aujourd'hui. Bah, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Je te retrouve. Ouais, Pivi, il a eu. Il joue Lotus. Et Lotus, c'est un assez bon match-up pour moi, vu que j'ai beaucoup de contre. J'ai réussi à lui bluffer. Yoshihiko Ikawa. Merci beaucoup, Nops. J'ai battu Yoshihiko Ikawa. Qui jouait Azorius Control. Exactement. Il est parti en disant Very lucky, very lucky. C'est sûr tu fais jour 2, t'as trop de chance, t'as trop de chance. J'ai dit putain, ça commence que maintenant. Non, parce qu'il m'a balancé, t'as trop de chance, t'as trop de chance. J'avais envie de lui dire mec, d'un, t'as pas le match-up.
2, calme-toi, tu vois. Genre, j'ai trop de chance, mais je suis à 1-3, quoi. Donc, bah, après, il m'a curse positivement. C'est-à-dire, il m'a curse, mais c'était une bénédiction, en fait. Il a dit, c'est sûr, tu fais jour 2. T'as trop de chance, tu fais jour 2. Tu fais jour 2, t'as trop de chance. Very lucky, very lucky. Mais il m'a blessed, mais il voulait me curse. C'est lui juste au pif. Ouais, c'est ça, il m'a béni alors qu'il voulait me maudire, tu vois. Une curse bénédiction. Ouais, c'était ça. Non, mais en fait, ce qui était bien, c'est qu'à chaque fois que je faisais un move, je sentais qu'il était très émotif, tu vois, il comptait les saisies et tout. Donc quand j'ai lancé la troisième saisie pour l'assassiner, il a dit Three sixes, three sixes, wow, 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 very lucky, very lucky. Il a dit, bah désolé, hein, moi je joue saisie, tu joues blanc-bleu. Et à la 2, à la 2, non, la 2, la 2, la 2, je pense que je l'ai posé en position latérale de sécurité un peu. Parce que game 2. Fin du tour 4, il fait tap land. Et fin du tour 4, il fait shark typhon à 2. Et en réponse, je fais notion tif pour piocher la carte à sa place. Là, il a mis les mains sur son front. Il a fait one notion tif, one notion tif. J'ai dit, bah, j'ai rien dit, hein. J'ai rien dit. J'ai pioché ma carte à sa place. Il a fait. Vendeur en rituel, moins 2. Et à mon tour, j'ai fait saisie, Shouldered Edict. Là, il a commencé à prendre sa Vendeur pour le mettre au cimetière. J'ai dit non, 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 non. T'as deux créatures. Shouldered Edict, je tue tes deux bêtes. J'attaque avec mon Tif dans Vendeur. Et là, il a fait GG. Voilà, c'était la game 2, elle s'est terminée T5. Et ce après quoi il a dit very lucky. À peu près 200 fois, je pense, dans notre BO. Mais ça m'a remis dans le. Bien sûr que ça te remet au moral, tu sais. Tu passes à 2-3, t'es quand même dos au mur parce que 2-3, c'est pas fait, hein. Faut encore que t'en gagnes 2. Mais la frustration, bah, je suis désolé, la frustration. Je trouve que. Il n'y a pas de frustration quand le mec a vraiment tout. Moi, c'est pas un truc que j'ai à Magic, ça. Si le mec a tout, le mec a tout, tu vois, c'est il fait sa sortie, t'es pas dans le bon spot, quoi. Mais c'est quand tu joues pas. Quand tu joues pas, c'est chiant. Si tu joues pas parce que l'adversaire a des saisies, je suis désolé, mais c'est juste que t'as pas le match-up, en fait. Mais si tu joues pas parce que t'alignes pas les landes ou parce que t'alignes tous les landes, ce qui m'est arrivé en draft, c'était horrible. La seule fois où j'ai pioché Nissa, j'étais en death. Là, c'était le moment où j'avais déjà 2 ou 3 drop 5, où j'attendais un land et je fais 1. Tu as fait 3-3, j'ai eu un peu d'espoir, mais j'ai eu un coup aux émotions quand il y a eu le draw. Bah, le draw, il jouait. La game 1 a duré super longtemps. La game 1 a duré super longtemps. Et après, PV, je suis assez content parce qu'il jouait Lotus. Et j'avais. Il y a un spot où j'ai vraiment que des removals et un Giruk en main. Donc, j'ai un seul contre de disponible. Et en gros, j'ai un Memory Deluge au cimetière. J'ai 7 mana. J'ai 7 mana open. Et en gros, il me fait un move. Il m'engage 2 terrains. Donc, ce qui me laisserait avec 5 terrains. Donc, il peut partir en combo en deuxième main phase. À la deuxième main, il peut partir en combo. Je crois qu'il a l'ailleurs en main. Et moi, j'ai genre.
Trois Vras en main, j'ai Massacre, j'ai Massacre, Extinction Event, Fatal Push et une autre daube, et Giruulk. Et en fait, j'ai réfléchi longtemps et je me suis dit, si tu tap out maintenant, t'es mort, tu vois. Genre, je me suis juste dit, si tu joues là, tu vois, il sait que t'as rien, t'es mort. Du coup, j'ai réfléchi et j'ai fait 2 blue in pool. Ok, vas-y. Et du coup, il est pas parti parce qu'il pensait que j'avais le contre. Et j'ai gagné comme ça. Parce qu'il est parti le tour d'après. Le tour d'après, il a fait bet, 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 liar. J'ai joué Giruulk pour contrer le liar. Et j'avais gagné. Et ça, c'était chaud. Que les blessures que mon adversaire m'inflige sont toujours considérées comme une perte de PV ou non? Ouais, tu perds les points de vie, gros oiseau. Tu perds quand même les points de vie, tu montes en négatif en fait. En revanche, bah, les points de vie négatifs te font pas perdre la partie, quoi. Et par contre, quand tu es en négatif, tu ne peux pas payer des points de vie que t'as pas. Donc si tu es à moins 2 et que tu as un terrain qui arrive en jeu dégagé, si tu payes 2 points de vie, bah, tu peux pas. Et après c'était un pro tour quoi. Non, c'était dur. Les 8 heures là, en concentration, c'était quelque chose quand même. C'est pas pareil que quand je suis en stream où je peux faire ma pause, aller prendre mon café. Là, il y a du bruit tout le temps. Faut tenir toute la journée, donc j'ai mangé plein plein de noix. Ouais, après, j'ai pas grand-chose à vous dire. Je vais pas vous raconter toutes les games dans le détail. Mais c'était cool. C'était cool, c'était long, c'était dur. Il a fallu s'accrocher mentalement. Je crois qu'au niveau des Français, on a. Au niveau des Français. Au niveau des Français, il y a Thierry qui est à 6-2, je crois, qui a réussi à gagner la dernière. Il y a quelques Français qui sont à 5-3. Je crois que JE est à 5-3. Il y a Théo et Charles qui sont out. Et après, on a des Français à 4-4, je crois. Tu avais été pro il y a longtemps. Moi, ça doit être mon 12e pro tour, Tony Hulls. Mais tu sais, en fait, les gens s'imaginent plein de choses, mais être pro à Magic, c'est pas gagner de l'argent. Enfin, c'est tu gagnes de l'argent à partir du moment où tu fais une fois un top de PT, quoi. Ce qui est extrêmement dur à faire, donc. Être pro à Magic, c'est une notion qui est un peu complexe. J'aimerais bien, mais globalement, être pro à Magic, c'est faire un top 8 de PT par an, jouer les Worlds et gagner de l'argent comme ça. Donc, c'est 20 personnes dans le monde, quoi. Donc, je suis un streamer pro dans la catégorie Magic. Est-ce que c'est comme les PT d'avant? On n'est vraiment pas beaucoup. Ils ont appliqué des process qui sont un peu chiants, notamment le coverage. Ils ont dit bon, pour le scellé et pour le. Alors, en fait, c'est infâme. Il y a des trucs qui sont vraiment, vraiment infernaux. Par exemple, pour le draft, on est en open decklist, mais pas la decklist que tu joues. Mais tu montres toutes les cartes que tu as draftées à l'adversaire. Sauf qu'en fait, tu les montres comment, ces cartes-là? Vu que tu montres pas ton deck, tu montres ton pool, donc tu as une feuille imprimée et toutes les cartes sont en anglais. Donc tous les gens qui parlent pas anglais se font niquer, en fait, hein. Il n'y a pas de secret. Si tu parles pas anglais, tu dois demander sur chaque carte. En gros, soit tu connais toutes les cartes en anglais et les noms. Soit tu galères pendant 3 minutes à lire la decklist et à savoir exactement ce qu'il a. Donc, faut vraiment tout connaître. Et bah, ça, c'est un peu ennuyeux quand t'es pas américain ou quand t'es pas anglophone, quoi. Genre, les Japonais, bon courage. Globalement, ça veut dire ah, tu parles pas anglais? Bah, désolé, c'est la règle, hein. C'est comme ça, et bah, tu vas apprendre. Et ils peuvent pas faire un visu. Eh bien, non, non. Non, ils ont pas le temps, ZFox, parce que
pendant ton deck building. Non mais en fait le truc déjà, ce qu'ils doivent faire c'est tu listes ton pool de cartes, tous les judges récupèrent les 200 pools de cartes, les 200 feuilles, ils vont tout scanner, ils le réimpriment en x2, un pour eux, enfin pour le staff et pour redonner aux joueurs, ils revont à chaque table distribuer les feuilles. Et j'ai parlé avec Kevin Després qui est le head judge du tournoi. C'est en termes de logistique, en fait, le truc, c'est qu'il y a des Wizards, ils ont dit tiens, on va faire ça. Et en fait, derrière, ils disent mais vous vous rendez compte de la technicité du truc, rien que pour annoncer ça, quoi. Et ils disent ouais, non, mais ça va passer. Allez, allez, motivez-vous, ça va passer. Et donc, ça devient chaud pour le staff, quoi, parce que c'est genre c'est une action, je sais pas comment vous dire. Prendre les feuilles de 200 personnes, les scanner, les photocopier une fois et les ramener à la bonne personne, à la bonne table, c'est quand même un truc, quoi. 137 personnes à 4-4 ou plus. Bah ouais, bon, on est 137 aujourd'hui, Nops. Alors, j'ai peut-être pas tout lu. Il n'y a que moi qui ai un écran vert. Ouais, faut recharger ça si vous avez l'écran vert. C'est souvent Kevin le head judge. En tout cas, il est dans le staff. Si c'est pas le head judge. Salut, salut, salut. Elliot, il faut au moins être 79e. Pourquoi test d'âge? J'ai rien compris. Alors, j'ai pas le chat. C'est très compliqué de remonter le chat. Il y a un facteur bluff ou quoi, comme au poker en live, qui est différent de MTGA. Tu l'as aussi sur MTGA, Palmacine. Mais sur MTGA, les gens sont trop mauvais pour respecter les bluffs. Mais oui, bien sûr, avoir la personne en face, c'est important. Tu as besoin de faire quoi? Bon, tout gagner. Tout gagner, c'est top 8. Tout gagner, c'est top 8. Je crois qu'il faut 7 victoires pour le prochain Pro Tour. Non, plus. Attends. Il faut 9 victoires pour le prochain Pro Tour. Donc, il faut que j'en gagne encore 5. Donc, 5-3 aujourd'hui. Objectif 5-3 minimum. Poulet frites, je ne suis pas américain. Tu sais très bien que je ne suis pas américain. Point d'exclamation Dragon Book. Alors, la commande doit être activée. Je sais pas si la commande est activée, moi je vois pas les commandes. C'est une ref à la Cali pour le prochain PT qui semble offerte à la moitié des gens. À la moitié haute des gens du jour. C'est 9 victoires pour la qualif au prochain PT, c'est tout. Que le dieu du draft. Non mais j'ai pas besoin du dieu du draft, j'ai juste besoin de jouer des parties de Magic, quoi. Bah, vous savez ce que c'est de pas jouer une partie de Magic. C'était juste ça, hein. C'était juste ça, quoi. Genre, mes 2 premières rondes, j'ai pas joué aux cartes, quoi. J'ai pioché des 11 landes consécutifs. Bah, j'ai juste pas joué à Magic. Je suis mort sur des vieilles 3-3 fly. 4-4 fly. 4 wins et 2 draws, ça passe aussi. Ouais, bon, je vais être dans le draw bracket, donc je vais essayer de les push un peu. C'est peut-être assez stratégique d'être dans le draw bracket parce que ça veut dire que je vais peut-être tomber contre des matchs contrôle et c'est des bons match-up les matchs contrôle. Je sais pas si je vais tomber contre beaucoup de Phoenix, mais du coup, être dans le draw bracket pour le draft, je sais pas, mais pour le construit, je pense que ça m'arrange un peu. Vu que j'ai un bon match-up contre les jeux lents, j'ai un bon match-up contre eux globalement. J'ai vu qu'il y avait un espèce de deck Yorion. Je vais peut-être avoir. Ouais, il y a peut-être quelques decks qui sont un peu embêtants. Shuffler is fine. Ah non, mais c'était. Ouais, bah, c'était peut-être moi. Hein. Peut-être que je me suis fait gruger par les shuffles adverses. Hein. Ça doit pas être évident de pas tilter pour le reste du tournoi. Bah, je sais pas. C'est pas de ton ressort, tu vois. Il n'y a que si tu t'es fait gruger et que t'as pas vu que l'adversaire avait mélangé ton deck pour te battre. Mais vu que c'était deux adversaires différents.
J'ai été surpris de voir que ce n'était pas des boosters de draft, mais des boosters faits par OTC directement. Et de voir des cartes marquées. Alors, c'est des boosters ouverts par OTC. C'est des boosters classiques, Nops. Mais il les stampe. Pour que tu puisses pas ajouter une carte non stamp. Hello à tous, il y a vraiment un lien pour le Dragon Book où je me troll tout seul, merci d'avance. Va sur le Discord, Javrules. Le lien pour le Dragon Book, il est peut-être désactivé parce que je suis en mode. Ah bah voilà. Bah voilà. Parce que je suis en mode IRL. Mais il y a vraiment un lien pour le Dragon Book. Non, non. Il n'y a pas de troll ici, tu sais. C'est juste que là, je suis aux US, je peux pas gérer toutes les commandes. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que moi, je vous dis, j'ai pas beaucoup de temps. Hein. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le faire, à me les poser, quoi. Allez, bonne chance pour la route. J'aurais aimé voir le match avec Gio. Il était pas top ce match. J'ai tout géré. Il a pioché un Drake. Je suis mort. Tu as pensé quoi de la prestation? Je m'en balèque. De la prestation de LSV. Voilà, on va dire les choses vraiment. Demain, le top 8. Ouais, ça va être long. Ça va être long avec le top 8 demain. C'est quoi les formats du jour? T'as le. Bah, draft et pionnière, comme hier. Et t'as le. Va voir la documentation. On met 10 piles quand j'arrive. Tu penses que tu es meilleur en vrai? Ah, moi je suis bien en vrai, ouais. J'existe dans le monde réel. Le face-to-face, ça donne un edge. Oui et non. Bah, ça fait longtemps que j'ai pas tapé le carton, mais tu peux bluffer, quoi. Les cartes du draft, tu les gardes, ouais. Ce sont mes cartes maintenant, Tung Deal. Bon, j'ai fini mon petit déj. Allez, un petit dernier kombucha. Faut pas que je me mette trop mal. Ton match, Pivi a dû te remonter le moral. Ouais, c'était pas mal. C'était pas mal. Alors, il a essayé de faire un truc. Il y avait un truc sympa. Il a copié mes Hall of Storm Giants. J'ai réussi à le bluffer game 1 et game. J'ai réussi à le bluffer plein de fois game 1 en fait. Il a copié mes Hall of Storm Giants. Et il a essayé de l'activer pour bloquer un Giruul. Et à ce moment-là, j'ai fait un Shouldered Edict. Et il a voulu copier un Lotus Field avec son pour pas prendre Shouldered Edict. Mais en fait, la créature restait le terrain restait une créature parce que c'était pas le même effet de couche. Donc il a quand même dû sac son land. Voilà. C'était drôle. Tu dois apporter tes propres sleeves. Ils nous en ont donné. Ah bah attendez, je vais vous montrer un peu. C'est vrai que vous avez pas vu ça, mais vous avez pas vu ça. En fait, j'ai fait des vidéos, mais j'ai pas pu vous les uploader. J'ai pas pu vous les uploader sur le Discord encore. Mais c'est vrai que je vous ai fait des vidéos de ça. Attendez 2 secondes. On a eu plein de petits cadeaux. On a eu un secret lair. C'est le secret lair avec les nains, je crois. Par Wayne Reynolds. On a eu un secret lair avec les nains. On a eu des boosters. Voilà, j'ai déjà ouvert les collectors. On a même des Mystery Boosters Convention Édition. Voilà, les boosters de Convention Mystery. Bah, je les ai pas ouverts encore. On verra si on les ouvre. On a une boîte Elechnorn, un Atraxa, je veux dire. Avec dedans des sleeves. Des sleeves Atraxa. Et dans mes boosters collector, je vous mettrai les une petite vidéo. J'ai eu ça. Alors, tac. C'est là. J'ai eu elle en shiny.
En Shiny Phyrexian. Petite Vandereur. Voilà. Et je vous montrerai. Bah, j'ai les openings, mais je peux pas les uploader sur, sur Discord là. Parce que j'ai pas assez. Donc il y a ça. Il y a ça. Et après, on a eu deux tapis. On a eu dos tapitos. On a eu le tapis Atraxa. Voilà. Le joli tapis Atraxa. Et on a eu le tapis du Pro Tour avec LF Norm. Qui sont stylés, ouais, c'est stylé, ben voilà. Ils ont été généreux que les fois précédentes. Ça, c'est les tapis. Ouais, d'habitude, on avait 6 boosters de draft et parfois quelques sleeves. Là, ils ont fait un petit effort. Allez, on va s'ouvrir le booster du matin, tiens. Petit booster du matin. N'écoute pas, Krakendog ne coupe pas 10% du tapis pour lui envoyer lol. Il n'y a que les pros qui jouent, c'est un tournoi avec d'autres events. Alors, dans la salle, il n'y a que le Pro Tour, mais après, il y a plein d'autres tournois. Il y a des QT, il y a un tournoi où tu peux gagner le Brainstorm, un Brainstorm à 5000 boules, là, à côté, qui va être joué. Je crois que dimanche, il y a un QT aussi. Bon, booster, c'est bien, non mais je consomme pas ma chance en début de journée, c'est bien ça. Ça c'est la bonne nouvelle c'est que je consomme aucun, voilà, je ne consomme pas ma chance en début de journée. Ah là là. Les decks de draft sont-ils visibles? T'en as pas mal sur Twitter des decks de draft. Ça doit être sympa d'être là-bas. Ouais, non, c'est cool après. Tu as super bien drafté hier. Ouais, mais mon draft aurait dû déboîter ma table, mais après le reste s'est pas passé quoi. J'aurais vraiment dû. J'avais un draft pour déboîter ma table en vrai. J'ai vu un tweet passer qui parlait d'une table de 10 drafters. Exactement. Bah, c'est les 10 derniers du tournoi, ils ont drafté à 10. Ils auraient pu faire deux tables de 9, mais je crois qu'ils ont fait une table de 10. Tu peux augmenter ton karma en me faisant un cadeau. Toi aussi, Kraken. Toi aussi. Bon, moi, je vais me mettre. Je vais pas tarder à me mettre en route. Si vous n'avez pas trop de questions, il est bientôt 8h. Petite toilette et puis on va se mettre en route ou alors je me pose ou alors je me refais un petit café et je réponds. Le tournoi en est où? Ah ben regardez où ça en est sur MTG Melee. Est-ce que je vais tout rosser? Ben on va faire mieux hein. Moi ça va hein. Je suis bien reposé. Je vous mets les petites news dans Suivre le Dragon. J'ai vu qu'il y avait quelques modos, notamment Nups, qui partageaient les résultats dès qu'ils les avaient. Moi, j'essaye de vous mettre un petit mot à chaque ronde. Dernier mot. Alors, le top 8. Oh, il y en aura d'autres. Merci beaucoup pour les subs. Merci, les amis. Je vois Hyper Shadow avec son Prime. Il y a même un train de life. What? Drakenor, Red Shadox. Merci beaucoup. Sinon, je me refais un petit café. Qu'est-ce
sont faits. Je me refais un petit. En fait, j'ai le temps. Je viens de regarder l'heure. J'ai un peu de temps. Je pensais que j'étais un peu plus rush. Il faisait un peu froid. Il faisait un peu froid aujourd'hui. Enfin, hier soir. Donc, aujourd'hui, c'est le bonnet. Le bonnet. Alors, j'ai ce bonnet ou j'ai le bonnet Twitch. Je sais pas encore lequel je mets, quoi. Si vous préférez lequel. Ça fait un peu... Bah, en fait, lui, tient chaud le bonnet Twitch. Je pense pas qu'il tienne aussi chaud, quoi. Bon, qu'est-ce qui va se passer? On n'a pas vu le bonnet Twitch. Oh, il est à côté. Non, mais je mettrai celui-là. Je mettrai celui-là. 3-0 sur le draft aujourd'hui, bah, ce serait bien. Hein. Si je fais 3-0 en draft, il faut que je fasse 2-3 en pionnier après. Donc, 3-0 en draft, ce serait bien commencer la journée. Aïe, aïe, aïe. Bon, en tout cas, en pionnier, j'aime bien le deck que j'ai pris. J'attends de voir un peu ce que je vais affronter, mais ça n'existe pas, ça, Andrew. Ça n'existe pas en Pro Tour, les meilleures couleurs. Il faut s'adapter. On peut voir les matchs. T'as le lien un peu plus haut pour voir les matchs et pour voir le coverage. Il y a le lien un peu plus haut. Ah, je prends l'énergie. Merci, merci à vous. Je prends toute l'énergie qu'il faut. Ben, j'aurais pu faire une win de plus en pionnier au final. J'aurais pu en faire une de plus, je pense, à la place du draw. Tu as eu l'occasion de voir les autres decks en action? Bah ouais, bah tu peux voir les matchs, ouais. Tout notre soutien. Bah, allez sur le Discord, hein. Tous ceux qui veulent suivre au compte-goutte ce qui se passe. Moi, je vous mets toutes les infos sur le Discord. Donc, j'essaie de vous mettre des photos quand il y a des petites photos, des petits trucs. J'essaie de upload pas mal de belles petites choses. Alors, je peux. En fait, je record des vidéos. Mais je peux pas vous upload les vidéos parce qu'elles sont trop volumineuses. Donc ce qui se passe, c'est que je vous recorde les vidéos, mais je vous partage que les petites photos, quoi. J'avais gagné la game, mais on a commencé la game, il y avait 1 minute 40 en fait. Mais on était tour 5, j'avais Kalitas sur le board et j'avais gagné, quoi. Il avait rien, j'avais Kalitas sur le board, des contres en main et j'avais gagné, mais bon. Whatever. Whatever. Cette vidéo de 1 minute 30 sera découpée en un poste de 900 images. Non, mais justement, ça compresse, mais ça me les redécoupe. Hein. Je vais aller me faire couler un petit café. Je vous laisse vous ambiancer et je reprends les prochaines questions. Nous sommes plus de 200 à prendre le petit déj avec toi. Ah ouais, j'ai fini mon petit déj. Ah, faudra que je. J'ai fini mon petit déj. T'as eu de la bad luck. Ouais. Ouais, ouais, mais c'est rond. Hein. On va essayer de. Puis si ça se reproduit aujourd'hui, ça se reproduit aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je donne tout, mais je peux pas prendre plus. Hein. Je ne peux pas prendre plus. Merci pour le 22e mois, Arbané. Merci beaucoup.
J'aimerais bien ouvrir. En fait, j'aimerais bien ouvrir plus d'une bombe en draft. Ça me plairait d'avoir plusieurs bombes. Tu as rêvé des cartes cette nuit? De quoi j'ai rêvé cette nuit? J'ai pas rêvé des cartes. Non, j'ai pas rêvé, je sais plus. J'ai fait des rêves, mais je sais plus de quoi. Hier, non, vous voulez une petite anecdote? Ah, Bleu Lundi, elle veut une anecdote plus spirituelle, plus philosophique peut-être. Non, hier, trop bizarre. Hier, ou avant-hier, je ne sais plus. Avant-hier, quand je dormais, j'ai rêvé que je rencontrais le gars du Airbnb et que il me montrait la chambre, il me donnait les clés et il me montrait mon roommate en fait, mon voisin de chambrée, tu vois. Et mon voisin de chambre, c'était un très bon pote, un de mes trois mentors à Magic, qui est peut-être dans le chat. C'était VGT. VGT qui est dans le chat. Et étonnamment, le lendemain, 8 h du mat, je reçois un SMS de VGT qui me dit: Ah, bonne chance pour le tournoi. Et je lui dis: Purée. J'ai rêvé qu'on était dans le même Airbnb, tu vois, qui était à côté. Voilà, c'est l'histoire. Non, c'était pas VGT. Voilà. Voilà. Bah, on va s'accrocher, hein, de toute façon. Il y a quoi de mieux à faire? On s'accroche et puis on essaye d'aller au bout. Salut, Eloy First. C'est quoi le programme du jour? Ah bah, jouer à Magic. Jouer à Magic. C'était l'hôtesse. Non mais arrêtez avec cette. Non mais. Oh là là. Impardonnable. Vous cherchez. Vous êtes. Faut arrêter de jouer aux cartes. Faut sortir un peu plus, les amis. On est tous derrière toi. Ouais, Jérôme. Sympa le prank, hein. Bon courage pour la suite. Bah ouais, bah ça va arriver vite, hein. Ça va arriver vite. Allez, je vais chercher le café. Putain, il me le sort froid le truc. Une strat pour ton draft. Eh ben, bien drafté, convive. Bien drafté, j'ouvre mon booster, je prends le spoil, on passe le booster, je prends le spoil. Attends, ben, j'ai peut-être mon deck. Non, j'ai défait mon deck ou pas? Bah, je sais plus où est mon deck, il doit être dans sa deckbox et tout. Mais j'ai first pick un choc. Il y avait une rare pourrie et je crois que j'ai first pick choc dans mon booster. On m'a passé pas mal de bons verts, donc je suis parti sur vert. Et au final, le vert était un peu cut parce que j'ai un des voisins à droite qui a ouvert Nissa.
c'est un peu ça qui m'a plombé sur le draft, c'est que j'ai un des voisins qui a ouvert Nissa, donc il est parti sur vert. Mais je pense qu'il a ouvert Nissa assez tard. Et j'avais un très très bon vert rouge avec tout ce qu'il fallait dedans. Et il fallait juste que je joue des games normales et que je les gagne. Et j'ai pas joué des games normales et je les ai perdus. Tu participes à quel format? Le tournoi, c'est un draft et 5 rondes de pionnier. Salut Bim! Bienvenue, hein, bienvenue à tous. Je dis pas bonjour à tout le monde parce que les messages passent assez vite, donc je peux pas voir tout le monde. Yo Aruno, merci pour les 28 mois. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Prochaine saison, le standard Kildor. La prochaine saison, je crois que c'est en standard. Le prochain Pro Tour sera en standard. Le draft est déjà passé. C'est chaque jour. Donc aujourd'hui encore, draft et pionnier. T'en as raté un. Bon, voilà. Bon, moi, je finis mon petit café et après, j'irai. Est-ce que tu as l'impression que ton niveau de jeu s'est amélioré depuis que tu streams? Pas plus que ça, non. Non, mais streamer, ça détériore plus ton niveau de jeu que ça l'améliore. Hein. Enfin, jouer à Magic de manière régulière, ça va maintenir ton niveau de jeu. Mais genre, mon niveau de jeu en stream est en dessous de mon niveau de jeu sans streamer. Bah, c'était pas la même chose. En gros, t'es pas à 100% en train de jouer à Magic quand tu streams. T'es en 50-50, quoi. 3-0 aujourd'hui parce que le dragon maîtrise le format. Tu te déconcentres inévitablement en stream pour suivre le chat. Mais au-delà de ça, en fait, t'as... quand tu streams pas, en fait, streamer, il y a plein de paramètres. Il y a pas que le chat. Il y a vraiment plein de trucs à côté. Tu peux suivre tes matchs en direct? Non. Non, pas mes matchs particulièrement. Ça fait quoi d'être sur le retour du Pro Tour? C'est fatigant. C'est fatigant en termes de déplacement, mais c'est cool. Bah, il n'y a pas grand monde, c'est un petit Pro Tour, donc, c'est fatigant en termes d'énergie, mais je reprends le coup. Encore un coup du Kraken Doggy. J'ai pas vu le message. Sauf s'il y a une table filmée. Ouais, bah peut-être la 8e ronde, quoi. Dans 8 heures, vous me verrez peut-être. Peut-être dans 8 heures. Ou demain. ou demain. Bon, ouais, bah de toute façon, le but, c'est de garder la concentration. Hein. C'est sur le Twitch de Magic. Ouais, c'est sur le Twitch de Magic. Alors, je sais pas si l'article sur le guide est sorti sur IGN. J'ai pas eu le temps de consulter. Il est peut-être pas sorti sur IGN. Et on verra ce qu'on peut donner... Il y a des side events qui sont commentés sur Twitch, sur la MagicCon. Alors, il y a une application pour la MagicCon. Ils ont fait une appli. Il y a des shows et tout. Il y a des talk shows. Je sais pas comment. Je t'avoue, j'ai pas pris le temps de regarder tout ça, quoi. Enfin, clairement, c'est pas mon bail. Ouais, voilà, renseignez-vous, prenez l'habitude d'aller chercher l'information aussi par vous-même, quoi. Parce que moi, je peux pas... Ouais, j'ai déjà pas mal de trucs à réfléchir, hein. Je vais pas essayer de me parasiter. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde en dehors du PT? En fait, l'espace est gigantesque. Donc c'est assez difficile de se rendre compte du monde qu'il y a, vu qu'il y a vraiment... T'as deux halls de convention énormes. Bah, je vous montrerai tout ça... J'ai fait un traveling, j'ai pris des vidéos, je peux juste pas vous partager les vidéos, quoi.
Parce que j'ai pas la data, j'ai pas la data et j'ai pas l'abonnement sur Discord pour vous partager des vidéos qui pèsent trop lourd. Donc je vous montrerai ça une fois rentré en France. Je vous montrerai à quoi ça ressemble, quoi. Je vous ferai le petit report. Faites un effort, restez concentré. Non mais du coup ouais, c'est plutôt ça en fait. Mais c'est vraiment gigantesque, t'as plein de petites salles, donc t'as la salle free play, où il y a des joueurs de Commander, t'as plein de salles. T'as l'exposition principale qui ressemble plus à une convention avec les artistes, avec le cosplay et tout ça. Hein. Ils vendent des poufs Magic à une fortune. Il y a des gens qui parlent de Arena, du design, il y a un peu de tout quoi. Il y a un peu de tout, il n'y a pas que le... Et nous, on est dans une salle vraiment loin, quoi. Le Pro Tour, on est à l'autre bout de la convention, en fait. On est vraiment à l'autre bout de la convention. Voilà. Des poufs pour s'asseoir, ouais. Ouais. En fait, c'est même pas les poufs qui te vendent, je crois que c'est les housses des poufs pour s'asseoir. Bon, ben moi je vais me mettre en route. Je vais me passer un petit coup sur le visage après le petit déj. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Voilà, bon, je vois qu'il n'y a pas. Les questions se sont taries. Je vais vous souhaiter une bonne journée à tous. Et puis je vais essayer de... Je sais pas si je prends le téléphone. Ouais, je vais peut-être prendre le téléphone. Essayer de record un petit truc sympa. Je l'ai fait avec la GoPro, mais je vais peut-être faire un traveling aussi avec le téléphone. Et puis voilà, hein. Bonne journée, merci. Bon, je vous mets tout comme d'habitude, hein. Je vous mets tout sur le Discord. Quelques infos sur Twitter, mais l'essentiel sur Discord. Et j'essaie de faire au mieux avec ça. Merci. Bonne chance et bon courage. Non, ça va être cool, moi je vous dis. Ça va être cool! Allez, let's go! Let's go! Allez, bonne journée à tous! Ciao!